Salut tout le monde, c'est Kirito, on se retrouve aujourd'hui sur la Citation Racine Steel, comme assez souvent en ce moment parce qu'il y a beaucoup plus de portails, comme c'est la campagne des 6 mois, enfin l'anniversaire des 6 mois, ils sortent quelques petits trucs par-ci par-là. Donc du coup, il y a un nouveau portail qui est sorti sur un pick-up de Fanatio et d'Akira. Alors, bah, comme vous le savez tous, hein, c'est d'Akira que j'essaye d'avoir depuis un certain moment. Hein. Sur les fruits, bah rien, hein, je le montre pas, mais jusqu'à présent, je n'ai rien chopé sur les trois multi, enfin sur les trois singles à vocation chaque jour. Pas un seul 4 étoiles, ni un doublon, rien. C'est-à-dire peut-être aller une dizaine de 3 étoiles. Et une trentaine de 2 étoiles, quoi. C'est, en gros, c'est ça. Du coup, on avait fait cette invocation-là. J'avais eu 2 fois la chinone. Malheureusement, je vous avais dit que si je referais l'arme, je vous dirais s'il y a quelque chose. Donc, j'ai refait une deuxième fois l'arme. C'est-à-dire que j'ai fait... voilà, vous pouvez voir, je suis à l'étape 3, là. Donc, j'ai refait une deuxième fois. Malheureusement, j'ai rien eu. Donc du coup bah la chinone bah tant que j'ai pas d'armes elle est un peu inutile hein, même si j'ai beau l'avoir 2 fois si l'arme veut pas tomber je suis un peu dans la merde donc du coup donc là je vais utiliser 125 sur ce portail si j'ai quelque chose c'est à dire de préférence d'Akira bien sûr. Dans ce cas-là, tout ce qui me restera en CD, je vais l'économiser pour tenter de refaire une step 3 en espérant que l'arme elle tombe. Et si elle tombe pas, bah tant pis, j'ai bien peur que je vais pas avoir assez de CD pour après les prochains portails. La chance que j'ai, c'est que je vais pas avoir besoin de faire la step, enfin les step, enfin les rate-up. À la limite, je peux peut-être tenter le rate-up sur ce Gua. Hein. Même si le mort comme ça bah, pas l'air très ouf mais bon elle a quand même elle baisse quand même un petit peu l'attaque magique ennemie et puis elle réattaque vite donc on peut toujours espérer avoir quelque chose en plus avec les épées elle pourra être peut-être plus jouable que Shinon et en plus j'ai pas beaucoup de break non élémental donc à la limite je pourrais économiser mes CD pour Siret. Tout dépendra de ce que j'aurai en CD à gagner parce que là voilà donc là j'ai farmé un petit peu l'événement sur comment ça s'appelle déjà. D'ailleurs, j'ai même plus de CD parce que j'ai été au grade 3 aujourd'hui sur la roulette. Donc voilà, on a 224 CD. Donc il va me rester environ presque 100 MD. Va me rester 100 CD. Qu'on faut toujours les 200 CD et donc du coup donc je disais c'était cet événement là vous voyez j'ai déjà complété. Le problème c'est que j'ai pas clear je sais plus pourquoi je l'ai pas clear ici voilà j'ai pas clear là d'ailleurs c'est vrai tiens pourquoi j'ai pas clear là est-ce que j'aurais oublié quelque chose. Je pense que j'ai peut-être pas fait tous les ennemis ou il fallait faire une attaque de volonté ou un truc dans le genre que j'ai pas fait. Ouais, c'est ça, activer une attaque de volonté. Ah ouais, c'est à partir de là, il fallait activer une attaque de volonté et moi je les ai tués comme un gogol. Bon, c'est pas grave, donc là il y a encore quelques CD à récupérer là. Et puis c'est surtout en mission qu'il va falloir que je me stagne parce qu'il faut faire 30 fois le même événement. Donc vous faites le premier une fois que vous avez tout fait. Hein. Pour faire et puis après il y a des petites missions aussi à compléter bon là c'est pour avoir des points mais notamment pour avoir les fragments verts donc ça essayer de le faire 90 en... moi je l'ai fait en 78 tours parce que ma machine elle tape pas alors forcément en termes de dégâts c'est pas terrible mais voilà donc encore quelques CD là et puis j'ai encore aussi toutes les missions de ma cathédrale à faire voilà.
Donc du coup voilà, donc voilà, donc j'ai plus rien à dire, c'est bon, j'ai raconté ma vie là, c'est bon. Donc c'est parti, on y va pour l'invocation sur d'Akira et Fanatio, en espérant que quelque chose tombe, ça serait cool, notamment d'Akira. Mais je le sens gros comme une maison que si j'ai un doublon, ce serait peut-être encore un autre doublon de Fanatio. Ah. Alors. Ce portail, je crois qu'il va pareil que le portail OS, hein, il doit aller jusqu'au portail administrator, si je dis pas de conneries. Donc ici, là, on a 3%, ouais, c'est ça. Alors, ici, il va bien jusqu'à administrator ou pas? Oui, c'est ça, administrator. Donc, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques petits personnages que j'aimerais bien choper. Alors. Si je devais faire une liste, si je tombe sur un 4 étoiles qui n'est pas personnage phare, en personnage phare, j'aimerais avoir Administrator, bien sûr, la Cheetah Dark. Pourquoi pas la Asuna et le Kirito Halo. Je pense que c'est les gros, gros, gros trucs. Et puis peut-être Yuna et Asuna OS qui sont aussi très bien. Et puis après, bah, je dirais pas non la Shinnok GGO. Mais le problème, c'est que comme vous savez, j'ai pas d'armes. Donc. Voilà, mais après le reste, voilà, c'est pas. Soit j'ai déjà, ou c'est pas ouf, quoi. Mais voilà, donc il y a quand même encore, on va dire, 5-6 personnages qui m'intéressent quand même dans ce portail, si je ne chope pas les deux enfin, un des personnages phares. Mais bon, en plus, j'ai une chance sur deux des deux personnages phares, parce que j'ai déjà Fanatio et je voudrais juste d'Akira. Pour au moins faire un petit peu plus haut au ranking, ce serait déjà pas mal. Et puis en plus, je pourrais la mettre level, ça. Allez, on y va, c'est parti. Allez, dis-moi que j'ai de la chance. Touche écran pour changer de couleur. Allez, incubateur, faut que ce soit un peu plus rempli. Hein. Ah, c'est moche. C'est moche. En même temps, en ayant eu deux fois Shinon la dernière fois. Je me doutais qu'il n'est pas mené les grands changements. Je pense que pour mon ranking feu, il va être vraiment archi mort là. En plus, c'est de la lumière blanche. Alors là. Ça peut être que mort. Christovan. Il va me donner que du Christovan ou. Ça se passe comment? Un peu de. Ouais, là, vraiment, elle est moche cette multi-invocation. Elle est moche de moche. Bon, bah voilà, elle pue du cul celle-là. Ok, bon bah tant pis, écoutez, on n'a plus rien à dire. Heureusement que j'ai raconté un peu ma vie, trouvant la vidéo était très très courte. Hein. du coup, petit screen quand même pour Instagram. Et je vous retrouverai donc du coup dans une autre vidéo. Je vous tiens au courant si je refais des multi-armes hein, pour savoir si j'ai eu l'arme ou pas de Shinon. Mais peut-être que je ferai donc du coup le retête de Suguha. À voir. À voir, à voir. Voilà. Allez, c'était Kirito et je vous laisse sur cette fin de vidéo un peu pourrie, mais bon, hein, c'est la vie. À la prochaine vidéo, salut, salut!